Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour se faire Motorsport pour faire du coup l'acte 2 Alpha Grand Prix. Donc du coup comme je vous l'ai dit du coup il y a un petit moment de ça y est on se fait enfin cette course. Ça fait quand même un moment quand même que je vous disais qu'on allait faire cette course. Et du coup c'est enfin le cas. Ah oui avec l'arrivée des autres trucs c'est que maintenant qu'on fait ça. Et la semaine prochaine, on se retrouvera pour se faire Hollywood Action. Donc pour faire l'épreuve numéro 2, défi numéro 2 la semaine prochaine. J'espère que ça va pas être trop long cette épreuve. Hein. Parce que si jamais c'est une course de 5 tours, hein, ça risque d'être très très long. Mais je crois que si c'est une course à faire Grand Prix, ça devrait durer que 3 tours, je crois. Donc c'est une vidéo qui va durer 3, 4, 5 minutes, je pense. Mais c'est la deuxième fois que je poste une vidéo sur Motorsport depuis que le jeu est sorti. Alors là, pour le coup, oui, depuis que Motorsport est vraiment sorti, c'est la première fois que je fais une vraie course en anglais. Oui, la dernière fois que j'ai posté une épreuve sur Motorsport, il y a déjà 3 mois, j'ai posté la première course. Hein. C'est en gros les épreuves en gros par playlist, c'est une épreuve par playlist tous les 3 mois. Donc la prochaine fois que vous aurez la troisième épreuve vidéo de cette playlist, en tant que vitreur, il faudra attendre 3-4 mois environ. Après oui, je suis désolé, c'est vraiment très très long, mais sachez que tous les lundis, vous avez une épreuve sur une playlist carrément différente. Donc après, si jamais vous voulez que ce contenu arrive plus souvent, je peux pas, voilà. Je ne peux pas vous faire plaisir en faisant ça, malheureusement. C'est impossible. Tu te souviens du virage en épingle? Droit devant. Deuxième tour, continue comme ça. Ce n'est que le début de notre compétition. Tout peut encore arriver. N'oublie pas que tu peux faire plus d'un arrêt par course. Mais sur le jeu, j'ai trouvé un moyen de faire aucun arrêt au stand. Grâce, en gros, sur ce compte Interfest, il y a un moyen d'avoir aucun arrêt au stand. Pour faire aucun arrêt au stand, il suffit simplement de mettre main de fer la totalité sur votre voiture et sur le jeu. Et si vous faites ça, et ben en réalité, il y a vraiment. Vous pouvez vraiment faire en gros 5 tours sans aucun arrêt stand. Même la course la plus longue du jeu, moi je l'ai fait sans aucun arrêt au stand. Même la course la plus longue. Alors faut quand même savoir que là je n'ai pas en gros. La voiture qui est là n'a pas de main de fer. Si j'avais des mains de fer, là la défense des pneus, l'usure des pneus elle sera encore dans l'ouvercle. Ça sera encore dans l'air là, l'usure des pneus. Hein. Si jamais j'avais encore le. Ouais, c'est vrai, l'usure des pneus sera encore dans le vert si j'avais les ASICS sur la voiture équipée. Mais en gros, pour vous dire, les platines, pour gagner tous les platines de The Counterfest, moi je gagne tous les platines de The Counterfest, hein, toutes les semaines, il y a un summit. Et ben en gros, moi je gagne absolument tous les platines de The Counterfest. J'ai perdu qu'un seul platine, hein. Depuis que le jeu est sorti, j'ai perdu qu'un seul platine. En gros, bah, c'est pas très compliqué de gagner tous les platines de The Counterfest. C'est assez facile honnêtement de gagner les platines. Avec le niveau que j'ai, je peux littéralement faire top 1000 mondial sur chaque course que je fais. Moi, je suis tellement fort que je fais partie du top 1000 mondial toutes les semaines. Je fais partie vraiment du top 1000. Que ça soit des courses tout simplement basiques ou que ça soit des courses de summit, je fais quasiment partie de top 1000 systématiquement dans tous les summits.
Quasiment tous les semis, je suis en dessous du top 1000 la plupart du temps. Je finis toujours le top 1000. 99% du temps, je suis 800 mondial à chaque fois. Sur 10 000. Et du coup, en gros, je gagne largement le platine. En gros. Donc pour moi, le platine avec 10 000 places, c'est très simple. C'est même trop facile. En fait. Y a des gens, en gros, qui se disent, mais c'est trop dur de gagner le platine avec 10 000 places. En vrai, moi, c'est tout le contraire. C'est trop facile. En réalité, comme je dis, je dépasse même pas le top 2000. Hein. Le top 2000, je n'ai même pas vu le classement 2000 dans mon classement depuis... Ça fait plus de 3 mois que j'ai pas dépassé le top 2000. Hein. Pour le top 2000, ouais, ça fait 3 mois que j'ai pas dépassé le top 2000. Et je ne trime pas du tout, hein. C'est juste pour vous dire que voilà. Après, c'est parce que je joue beaucoup au jeu, donc après... Oui, après, je joue beaucoup et même énormément à ce coup mon top fest. J'ai mis un mois et demi pour avoir toutes les disciplines, pour avoir toutes les catégories au maxé sur le jeu en temps complet pur. Un mois et demi j'ai mis en farmant sans cesse le jeu. J'ai mis un mois et demi quand même pour avoir le temps complet pur dans toutes les disciplines. Hein. C'était très long. Donc la prochaine fois du coup on se retrouvera le lundi 1er avril. Oui c'est marrant, ça sera un 1er avril le lundi, c'est marrant quand même. D'accord, donc ça sera un poisson d'avril. Alors ce n'est pas un poisson d'avril. Voilà, si vous voulez dire, ce n'est pas pour avril, il y aura bel et bien la scène de The Test. Donc je vous retrouve, le lundi 1er avril, c'était Souris sans trophée.